actualité concernant le pays d'Haïti, eh bien, tout focus là, c'est sur Kingston, Jamaïque, côté que gros réunion, en réunion d'urgence que CARICOM a réalisé dans le cadre et d'efforts pour joindre une solution par rapport à la crise pays d'Haïti a traversé. Journée aujourd'hui, nous sommes sous place dans Kingston, Jamaïque. Envoyé spécial, nous, Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis, bonsoir. Dis-nous non, où sous place, côté que réunion ça a déroulé. Dis-nous ça, ouais, s'entendez. Bonsoir Jacques-Lem, salut depuis Kingston, Jamaïque, côté que effectivement, depuis matin, dans le local hôtel ça qui est le Pegasus Hotel, qui finalement va tourner un hôtel historique, puisque déjà, bonjour, que la presse locale, eh bien, il est déjà classé réunion ça qui a fait sur Haïti comme une réunion très importante, une réunion extra-historique d'après la presse locale. En tout cas, aussi, on dit tout à l'heure là, son réunion qui a fait en urgence, côté que CARICOM lui convoqué non seulement pays membres CARICOM, mais pays, les États-Unis, la France et le Canada, pour question pays d'Haïti. Je dis à depuis matin, Réo Akreol débarqué, nous là, dans l'hôtel, après à nous remarquer, eh bien, on allait mener vini, on va et vient qu'a fait en dedans lobby et hôtel là, et côté nous camper à la dans salle conférence, côté que nous prenons le talent qu'on s'est parlé avec des responsables CARICOM. CARICOM, il semble qu'il prenne vini, nous qui s'est sorti en dedans réunion. Eh bien, réunion depuis matin qu'a fait, et pour qu'on connaître qui ça, pour qu'on prenne décider sur cap pays d'Haïti. Nous remarquons, nous avons regardé là, des dignitaires, des hautes personnalités politiques parmi eux et Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, nous avons premier ministre jamaïcain lui-même tout. Eh bien, il a fait va-et-vient ça, il a rencontré et pour être capable de décider sur Haïti. Il faut me dire, Jacqueline, que dans ce moment-là, il y a une rencontre bilatérale qui a fait justement entre le secrétaire général et communauté caribéenne, Mme Carla Barnett, avec secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Donc réunion qu'a fait et de façon bilatérale, on était ensemble, enfin face à face. Et après réunion ça, justement, dans salle conférence là, nous pourrions avoir une réunion CARICOM dans notre pays CARICOM, nous pourrions décider. Donc 15 pays membres de la CARICOM qui viennent aujourd'hui après statuer sur ce qui a passé en Haïti. Eh bien, si depuis matin nous avons plusieurs personnalités, il y a eu que nous t'avons allé là, au contraire, juste avant que l'émission a commencé, nous t'avons remarqué présence, par exemple, et Patrick Gaspard. Donc, c'est des personnalités, au fur et à mesure nous avons défilé devant nous là, toutes personnalités, ça, ils ont réuni aujourd'hui dans Kingston, Jamaïque, sous le pays d'Haïti. Et il y a des gens qui ont observé, qui dit que si il y a des autorités, des gros chabrak autorités politiques de tout pays à travers le monde, sous le pays d'Haïti, et surtout de la Caraïbe, on précise, pas gagné, et c'est vrai, pas gagné, et parti haïtien, lui-même pas représenté. Pourtant, nous rencontrons un compatriote haïtien lui-même qui quittait le pays, qui arrivait quitter Haïti, lui rentré, lui dit, te vle vin dans Kingston, Jamaïque, pour te voir qui s'est pas discuté sous deux pays. C'est ça, lui dit nous. Il s'agit de Monsieur Himmler François, Monsieur Himmler François lui-même, qui a la tête un parti tout neuf, un parti petit bébé, nous capable de dire qu'il y a en Haïti, qui est le papa. Et parti ça a demandé changement pour Haïti, et VO à Creole, t'es parlé ensemble avec lui. Nous demandons pour qui ça a vini, l'expliquer justement dans le micro VOA Creole que l'a vini Kingston Jamaïque parce qu'il connaît non seulement une réunion sur Haïti, mais il pensait que les Haïtiens ou bien une membre de la classe politique haïtienne n'a pas supposé là, donc il répond présent. Bien qu'on a précisé que le parti haïtien n'a pas été invité, pas de aucun membre parti politique ou bien société civile haïtien qui était invité dans la réunion, ça, Jacques. Réunion encore une fois en urgence que CARICOM et lancé et ils ont invité certainement avec accompagnement pays les États-Unis, la France et le Canada. On parlait tout de premier ministre. Valério, avant aller plus loin, nous parlons des extraits, déclarations que représentant parti politique ça, sortent les partis politiques. Himmler François, c'est ça, du parti politique papa. Bricouri nouvelle gaillé, autorité américaine, yo longe droit Sougi Philippe, comme moun qui responsable ça gain là dans pays d'Haïti. Grégory Mix, c'est un député dans le pays les États-Unis. Monsieur déclaré, c'est Guy Philippe qui mettait tête ensemble avec barbecue pour faire Haïti sans wenge la journée aujourd'hui. Et bien, papa, ici, nous mêlons. Et bien, nous cherchons façon l'argent m'a gardé à la pour t'empêcher Guy Philippe de prendre tête par les nationales. Nous continuons à planifier. Pour capable gagner une force étrangère sous sol pays. Qui veut dire, dans le jour qui venu là, il est possible pour nous gagner un déploiement policier Kenya. Mais c'est ça qu'il faut, ouais. Et tout si parle en pile ça, tout si cause en pile ça, c'est parce que les États-Unis ont une planification même pour force étrangère venir sous sol pays. Sheila, qui est un député dans le pays les États-Unis, qui est un haïtien ou américain, ben une déclaration ça pour le dire, Congrès américain. Tant pris, s'il vous plaît.
signé pour capable décaisser reste grab daimoné pour yo capable voyer et policier Kenya sous sol pays en venir résoudre phénomène insécurité. Bon bayo fan bayo en pile pas bon menti peuple haïtien diable. Déclaration ça fait en pile haïtien commence à péter sous trésor pour dire que Guy Philippe pas rien pour voir que ça qui passé là et pour voir même comment c'est gain monde qui commence à parler pour dire que tu as supposé une manifestation qui fait pour dire que seul grand monde qui capable de retirer Haïti dans sa là c'est seulement Guy Philippe. L'important pour me quitter autant de qui j'en bagaille dans la voix de l'Amérique du Nord. Docteur Kono Kababoué, dernière turbulence dans le pays d'Haïti a occupé page et médias internationaux côté Haïti yon l'autre fois encore occupé première page. Ou souvez ou à créole ou à suivre un programme dans langue créole haïtien. Nous allons parler de l'actualité électorale là ici aux États-Unis dans un petit moment. Et oui, 2024 c'est une année électorale ici aux États-Unis, donc campagne électorale a déroulé, c'est comme ça que président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump yo mené campagne avec yo attention spéciale sous question immigration. Jean-Robert Philippe a dit nous plus. Président Joe Biden et ancien président Donald Trump ont mené campagne parallèle dans l'État choisi pendant le week-end là côté yo abordé question sous immigration, un sujet qui fait partie campagne électorale novembre élection 2024 là. Même gens avec l'élection présidentielle 2020, l'État de Géorgie capable de jouer un rôle important dans l'élection générale 2024. Yo. Ancien président Donald Trump n'a pas mettre de l'eau dans la bouche pour critiquer, bien critiquer le discours sur l'État Union. J'ai 17 mars, le président Joe Biden a prononcé devant deux chambres congrès réunies. Le président Biden a déclaré qu'il n'est pas capable de mettre dans le même panier tout immigrant illégal avec immigrants qui commettent crimes aux États-Unis. L'idée américaine a été préférée avec date 22 février passé, les immigrants vénézuéliens qui étaient rentrés dans le pays illégalement ont assassiné étudiant infirmier Lincoln Riley. En réponse avec action ça, ancien président Donald Trump, qui a mené campagne tout dans l'État de Géorgie, pendant le week-end, a déclaré étudiant mouri en bas mais un immigrant vénézuélien qui est entré dans le pays illégalement. Il était un immigrant illégal qui n'a pas jamais rentré dans le pays sous politique ancienne administration moyenne. Biden a appliqué une politique officielle qui permet aux immigrants illégaux qui rentrent dans le pays à ambassade jouer une immunité pour ne pas déporter. Samedi passé, le président Joe Biden exprimé regret pendant qu'il a mené campagne dans l'État de Géorgie. Peut-être il a utilisé parole immigrant illégal. Il a parlé de l'assassinat infirmière dans le discours sur l'État Union jeudi passé dans le Congrès pendant qu'il défend son propre dossier sur l'immigration. J'ai introduit un comprehensive plan pour fixer notre immigration, sécuriser notre border. Provide a pathway for citizens, for dreamers and their families. Moi soumettre un plan compréhensible pour corriger système immigration, sécuriser frontières, créer un moyen pour tout le monde qui est rentré dans le pays sans document légal et parents yo vin citoyen américain, monde qui travaille dans ferme yo, travail essentiel yo qui était aidin pendant la pandémie et qui fait partie de la communauté noire qui vit là. Le président Joe Biden, l'ancien président Donald Trump qui mène une campagne dans l'État de Géorgie pendant un week-end, sur route pour remporter la nomination du parti respectif, donc le parti républicain avec le parti démocrate, là, pour tromper Cornio dans l'élection 2024. Une répétition élection 2020. La campagne ça a déroulé 24 heures après J. Tipton annoncé. Programme humanité sous parole, administration a été lancé en janvier 2023 en faveur de 4 pays, Haïti, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Et bien bon, programme ça, il est capable de continuer. J.J. Tipton prend décision après 20 États qui étaient dans la tête de l'État Texas, demandé pour suspendre le programme. Non. Plusieurs centaines de milliers d'immigrants qui sont dans 4 pays, ça y est, eh bien, ils ont déjà bénéficié après un jeune support financier, ils ont monde qui vivent légalement aux États-Unis. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Maryland. Merci Jean-Robert Philippe et bon retour. Qu'on y a nous pour retourner dans le pays d'Haïti, côté que dans Wanamet, il y a partisan Petit Desalinio qui t'a fait manifestation. Jodelet Junior, Saint-Ville, t'es présent.
Il y a plusieurs centaines de partisans Petite Dessaline et Pancarte dans la main qui ont pris la rue pour manifester dans la ville Ouanaminthe hier dimanche 10 mars 2024 là, pour dire qu'ils sont d'accord et supporter la proposition Parti politique Réveil National et Petite Dessaline fait pour remplacer le gouvernement Ariel Henry. La proposition si là, n'a fait songer, c'est un conseil présidentiel qui a gagné 3 membres, juge Durin Durin Junior, ancien sénateur Guy Philippe et docteur Françoise Saint-Villiers. Manifestants yo mandé pressé pressé pour conseil là installé. N'a pas spécialement à pays que peuple haïtien attend. C'est ça ce conseil ça. Manifestants yo déclaré c'est ingérence communauté internationale là qui la cause situation en vin pi mal. Et au mandé pour ces haïtiens eux même celles qui pour résoudre crise là. Toujours d'après ça yo dit, yo pas quitter la ria tout autant conseil là pas installé. Manifestation si là qui te bout vers 5h après-midi, te fini sans aucun incident en bas de la police. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Ouanaminthe, au VOA Creole. Et puis, qu'on y a nous prenons dans la ville dans le département sud avec Jean-Ernst Eliska. Autorité jamaïcaine voulait tourner en Haïti 71 compatriotes haïtiens qui ont tenté de rentrer d'une façon illégale dans le pays Jamaïque à bord d'un petit bateau. Majorité moun sa yo ki se yon seri jeune garçon ak jeune femme soti nan département Grand'Anse pi précisément nan Dame Marie ak Chambellan. C'est Kwaou Sud ak Meri Okaye ki te recevoir eux nan base garde côte Okaye. Présidente conseil d'administration communal Okaye Claire Daphné France a bay plus détails. Il y a 38 moun que garde côte Jamaïque France sous la mer qui t'a tenté de Jamaïque que y a bouffler au bassin Okaye. Donc c'est dans le cadre de ça, nous-mêmes, là, et on a Croix Rouge qui était là. Matin, on a un ZPJ parce que était une depuis à 7h pour nous rentrer. Et nous étions là, malheureusement. Nous venons avec le temps passé pour rentrer, il y a une équipe pour nous déplacer. C'est mairie avec Croix Rouge qui était aussi Croix. En général, on rentre, bon, comme on nous connaît. Pas un budget vraiment pour ça, mais nous allons manger. Et nous allons dormir dans le bazar, dépendamment de l'heure de rentrer ou bien. Des fois, nous cherchons soit en mairie, si vous êtes en mairie, nous avons machine et puis nous voyons transférer la mairie de proximité. Si vous êtes en grandeur, nous avons transféré la mairie en Jérémie, ni même ni rapatrié, ça ne parle pas de nous, ça ne parle pas de l'autre côté, notre mairie en fait suivi. Quelques personnes que nous avons interrogé fait connaître, c'est mauvais la vie qui te pousse à prendre un temps pour aller chercher une vie meilleure dans le pays Jamaïque. Bon, les meilleurs, c'est Haïti. Aïe, vous voulez l'autre travail quand même. Et nous, même si le travail qui va gagner, nous ne pouvons pas gagner. Nous prenons même pour nous aller de l'autre côté. Si nous avons pris dans le pays, nous ne pouvons pas quitter le pays, nous pouvons travailler sur l'autre côté. Bon, si je suis mort, je ne vais pas aller. Depuis que je suis mort, je ne vais pas aller. Je ne vais pas de misère. Je suis mort. Oui, je viens là, mais la première fois, je ne vais pas aller. Comment expérience en pays? Ah, je ne sais pas comment je vais expérience. Comme dès que tu as la main. Comment tu as fait sur la main? J'ai dit à 23 jours. Alors, c'est la première fois que tu participes à la fête? Première fois. Selon magistrat Daphné France, c'est seulement un plachou mais au Kai qui est en mesure pour bailler 71 compatriotes Sayo qui ont passé 5 jours sous la main après garde-côte jamaïcain qui ont pimpé en Haïti. Jean-Ernst Eliska, VOA Creole, Okaye. Merci Jean-Ernst Eliska et puis gain Jean-Christophe collègue qui correspondant nous qui fait nous connaître une situation très compliquée dans le plateau central. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Merci Fred Kaimit, merci Gentil Augustin Junior, merci Jean-Marc Arbella, moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir.
tande bagay yo, tande koze yo, moi me saisi. En vérité me saisi. Me saisi pour me tande pour député hein qui c'est Grégory pour ouvrir bouche pour dire que Guy Philippe c'est un nan moun qui derrière ça qu'a fait là dans pays d'Haïti. Qui donc c'est à Guy Philippe qui t'a payé bandi yo, ou bien t'a proposé bandi yo de série de bagay pour t'es capable renverser Ariel Henry dans tête pays et puis pour lui même pour capable installer l'école. Et mes Sheila McCormick qui c'est haïtiano américain qui c'est un député tout fait qu'on est meilleure décision qui capable prendre c'est pour Ariel Henry bay pouvoir. Meilleure décision, meilleure bagay que Ariel Henry a fait dans pays d'Haïti là c'est dans moment là, c'est bay pays a. Mais fuck gagner des mesures en place qui pour organiser élection et c'est élection ça qui pral aider peuple haïtien. Elle prévoit tout pour gouvernement ça cap monter en là pour capable gagner des mesures en place pour capable gagner comme si m'était capable dit des prisons de haute sécurité parce que bandi yo pral juger. Bandi yo pral juger, bandi yo pral dans prison. Bandi yo et dans moment ça là dans jour pral vini là d'après sachet il a dit président pral monter après pral juger ensemble. Il veut dire là et ton dernier petit bout de l'eau bon qui pour renverser base là parce que quand il sait qu'il y a sous sol là. Oui. Malgré toute préparation qui était faite déjà et était en pile parler en pile pour te dire que il y a plusieurs institutions dans pays Kenya qui pas accepter qui pas signer accord là qui pas accepter pour policiers Kenya venir te même l'autre parler en pile tout pour faire qu'on ait plusieurs policiers Kenya qui étaient désister pour dire yo pas rentrer dans pays d'Haïti ak ça ouais gain là et même journée aujourd'hui là nous gagne préparation qui presque fin fait c'est seulement quelques membres dans le Congrès américain, on a dit parti républicain même, qui pour signer, pour être capable de décaisser le reste de l'argent, et puis sortant de la police kenyane, sous sol pays pour venir aider nous résoudre le phénomène d'insécurité. Comment vous dites ça? Pays kenyane n'a pas sécurité, le gain. Non! Pays kenyane n'a pas sécurité, le gain comme ça. Non, il n'y a pas insécurité, mais il vient aider nous résoudre l'insécurité. Bon, pour qui ça ou pas? Pour qui ça? Yo pas accepter à offre ça que président Salvador fait nous hein pour venir aider nous combattre l'insécurité pour venir aider nous même gens aider pays là pour que ça va pas quoi yo pas accepter et président Salvador hein pour que ça va pas yo pas accepter Nayib Bukele pour que ça va pas accepter et moi penser c'est premier monde nous t'a contacté dans nous contacter parce que yo te voir qui ça te fait Kenya lui même les gain sécurité pour vous peut-être pas hein et président Salvador là qui fait un bel travail qui bail population salvadorienne yon solution avec bandi parce que nèg c'était tuer moun manger moun elle fait quoi Nayib Bukele bail déclaration pour dire sont capable passer dans pays d'Haïti c'est même bagaille là qui était qu'on a passé Salvador elle était pi mal nèg yo c'était prend moun tuer moun après ça cuite vient nous pour manger. Et ben journée jodi ya là c'est président li met ton haut là dans ça elle t'a posé candidat pour président. Elle quand elle fait déclaration ça elle te dit il prend la population salvadorienne en chance. Il prend permettre yo vivre à l'aise. Il prend décider bandi. Et d'ailleurs te campé au te dit non. Journaliste, l'autre acteur politique te campé te dit non, pas capable moi. Ça moi gè là on pas capable. Et monsieur Vinil ferme toute bouche que te bouche bé. M'pa bon ti même qui pas connaît histoire ça, histoire président salvadorien. Là il pour qu'elle est important pour monter sur Google marqué. Le président Salvador, Nayib Bukele, qui ça te fait? Hein? Qui j'en te aide population à résoudre problème et sécurité? Y'a pas comment y'a pile jeune garçon dans le pays Salvador dans la prison. Et dans le moment là, yon Salvadorien avant de réfléchir pour taquer mon zam illégal, avant de gagner un zam illégal, non mais la réfléchir en pile. Oui, la réfléchir en pile. Parce que pour j'en moi maturise, n'y a pas qu'à lever les yeux, non gade yon policier dans le pays Salvador. Jodi a la nou gen président qui offre nous aide li qui dit même mesure que le te prend pour pays Salvador le prend même mesure ça pour pays d'Haïti elle promet nous la ban nou pays d'Haïti propre douce tant que si revient elle nous pas ouais gouvernement dans pays États-Unis signé pour mander pour président Salvador l'entrée mais seulement il fait appel ensemble avec Kenya policier Kenya au cap venir il veut dire policier Kenya prend formation pour capable venir goumen ensemble avec gang dans pays d'Haïti m'a dit nous ça force étrangère yo pas chambre utile. Au moins, le pays Salvador a fait déjà. Au moins, nous sommes capables de nous accepter. Le ministre est venu déjà. Le ministre est là depuis 2004, l'année 2017. Il y a gardé dans qui état que nous. Il veut dire. Et ça, monsieur a proposé nous là. Nous avons demandé est-ce que la potée solution vraie. Amen.
Bon, c'est un moment là, pile haïtien plein, en pile haïtien fâché, boudé, estomaqué. Parce que, député États-Unis, qui c'est Gregory Mix, déclaré Guy Philippe. Guy Philippe fait partie de monde qui fait son wagon là, Haïti.